Créée pour défendre les intérêts des élèves et étudiants du Mali dans la mouvance de l'avènement de la démocratie au Mali, en lien et place de l'Union des élèves et étudiants du Mali, l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a au fur des années perdu sa crédibilité et ses objectifs avec des multiples violences dans l'espace scolaire et universitaire. Lors des Assises nationales de la Refondation, les participants avaient recommandé la dissolution de cette association estudiantine. Si on dissout l'AM, où nous allons aller? Moi, je ne vois pas. Donc, l'État, je pense que l'État doit revoir cette initiative-là et demander l'accord aussi des membres de l'AM. Je pense que ça, c'est mieux que de dissoudre l'AM. Laisser les élèves et étudiants du Mali dans la bouche des loups. Présentement, jusqu'à preuve du contraire, les étudiants n'ont pas encore reçu les bourses. Ça, c'est un. Deuxièmement, les états du campus, vous-même, vous voyez, la campus est sale. Troisièmement aussi, on a beaucoup de choses à revendiquer. Bien vrai que l'AM a fait des choses qui n'est pas bon, mais moi, je préfère la refondation que de dissoudre l'AM. Après la suspension des activités de l'AM, le gouvernement de transition a procédé à la dissolution de l'Association des élèves étudiants du Mali à la faveur du Conseil des ministres ce mercredi 13 mars 2024. Il faut saluer la dissolution de l'AEM. C'est vrai que ce n'est pas démocratique, mais l'AEM, malheureusement, avait des pratiques non démocratique également, mais surtout l'AEM était sorti de son rôle de syndicat estudiantin. Syndicat estudiantin, c'est un syndicat qui ne fait que de la revendication par rapport aux besoins des étudiants en matière de confort pour les études. Pour le moment, dissoudre l'association pour temporiser la chose, elle est mieux. Pourquoi? Après, on peut avoir d'autres formes de regroupement qui vont revendiquer pour les objectifs, pour les visions, pour que les étudiants puissent avoir leurs droits. Pour les militants de l'AM, cette décision du gouvernement porte atteinte à l'histoire démocratique du Mali. Et les élèves et étudiants n'auront aucun moyen de pression pour réclamer leurs droits. Je dirais que sans... c'est tuer la démocratie en un mot. Quand tu parles de l'AM, tu parles de la démocratie actuelle. La dissolution n'est pas la cause. La solution, plutôt, de l'AM. Il faut une énorme sensibilisation, un énorme règlement strict. Que les autorités revoient encore leur décision. Parce que l'AM n'est pas pour nous. L'AM, c'est pour toutes les Maliens. Les parents des élèves et étudiants du Mali, les étudiants aussi, même les autorités. Même les autorités. Dans cette dernière décennie, l'AEM a connu sa plus sombre histoire, caractérisée par sa responsabilité dans les violences et affrontements en milieu scolaire et universitaire. Et reconnaissant les erreurs de la dite association, certains désormais anciens membres de l'AEM proposent en perspective une autre forme d'association qui sera au service des élèves étudiants du Mali. On a fait, comment dire, on a élaboré une feuille de route. Soi-disant, l'État a dit qu'il va essayer de mettre en place des policiers, des policiers dans les espaces scolaires, dans les espaces universitaires. Mais où sont ces policiers-là? Moi, je pense qu'il est temps que l'État s'assume. S'il y a des postes de police par-ci par-là, les étudiants, ils vont même pas faire recours à la violence. D'ailleurs, primo, les étudiants ont même peur de la police. Donc, il faut que l'État s'assume. Donc, la dissolution de l'AM n'est pas, moi, je pense que ce n'est pas une solution pour l'avancement des choses au Mali. C'est-à-dire, cette violence ne grandit personne. Même les militants de l'AM sont toujours contre cette violence. Mais je crois que c'est ce qu'il faut revoir pour bannir la violence dans les milieux universitaires. En 2021, par exemple, il y a eu des réformes où la violence s'est beaucoup diminuée. Et moi, je crois que c'est des réformes qui doivent continuer pour bannir la violence sous toutes ses formes, avec l'implication des autorités et pratiquement de tous les partenaires de l'école malienne. Donc sans ça, même aujourd'hui, si on dissout l'AM, une autre association va renaître.
tant qu'on ne change pas de politique, cette violence va tout le temps continuer et ça va démêler. Cette dissolution est une manière pour l'État de pacifier l'espace scolaire et universitaire pour en faire un milieu d'acquisition de savoir et de connaissances, et non de vandalisme et d'agression permanente.